Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du mardi 28 juin 2022 avec le jeu de 32, tirage en arc de cercle, 13 cartes avec Monsieur Béline, Monsieur l'oracle des miroirs, 3 cartes avec Monsieur Béline et une petite carte pour cultiver l'estime de soi, la petite boîte orange. Alors, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Je vous demande de faire preuve de discernement, de ne prendre que les messages qui vous parlent, qui vous attirent, que vous avez à recevoir. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, 28, 8 et 2, 10, 1, le 1 en numérologie, pardon, je vais y arriver. Eh bien, c'est le symbole du commencement. C'est le début de quelque chose. Là, on est dans le nouveau départ. On peut avoir confiance si on a décidé de démarrer son projet, par exemple. Si on signe aujourd'hui en 1. C'est une évidence. En professionnel, ben, écoutez, c'est des nouvelles perspectives qui peuvent s'offrir à vous. On peut avoir envie aussi d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire de démarrer un nouveau domaine complètement différent. Hein. Peut-être qu'on a envie aussi d'avoir des nouvelles responsabilités. Dans le sentimental, là, j'ai envie de dire, eh bien, on a envie de s'engager dans une nouvelle relation. On fait table rase du passé. On démarre quelque chose de nouveau. En couple, ben, on peut avoir envie de nouveaux projets, de démarrer vraiment, de repartir sur de bonnes bases, là. Alors, évidemment, le 1 a des traits positifs, hein. On est dans l'initiative, dans l'assurance, dans la volonté, dans le courage, détermination, une envie forte de réussir, quoi. Mais il a, c'est très négatif. On peut être dans l'excès de confiance, par exemple. On peut être un tantinet égoïste et agressif, également faire preuve d'un entêtement, par contre, exagéré. On peut être aussi dans l'impulsivité. Voilà, les amis, ce que l'on peut dire avec ce 1. Alors, 28 juin 2022. Voyons un peu ce que Monsieur 32 a à nous dire pour ce 28 juin 2022. Alors, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai sorti la dame de carreau, femme vénale de mauvaise. Là, nous sommes déjà, ben voilà, dans le, comment je veux dire, le blocage. Hein, le blocage, n'importe quoi. Dans les démarches, 8 de carreau, démarche. Alors, homme officiel, ça peut être un médecin, hein, avec quelque chose de beau là, hein. On est sur, peut-être que vous allez apprendre quelque chose de beau vis-à-vis d'un médecin, regardez, il y a une belle réussite là. Ça peut être tout simplement également un notaire, un avocat, un homme officiel, en tout cas, il y a une réussite, il y a une victoire avec officielle pour vous aujourd'hui, quelque chose qui vous met en joie, hein. Alors, est-ce que vous les voyez bien toutes? On va remonter comme ça. Hein, le but, c'est que vous les voyez quand même. Très bien. Alors, hop, hop, hop. En dos, qu'est-ce qu'on a? Avec certitude. Que se passe-t-il avec certitude? Pour une femme, votre sœur. Alors, avec certitude, vous pouvez avoir des nouvelles de votre sœur, de votre meilleure amie. Ça peut être vous. Pour moi, j'assimile bien souvent la dame de cœur. Enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça, à une dame aux cheveux clairs. Donc, voyez un petit peu si c'est vous. Sinon, votre sœur, votre meilleure amie, vous allez avoir des nouvelles. Visiblement, elle est bloquée. Est-ce que il y a aussi des nouvelles avec un jeune homme? Elle est bloquée dans une situation peut-être sentimentale avec un jeune homme. Qui est bien, hein, qui se prête bien, qui, voilà, ça peut être aussi dans une démarche quelconque. Alors, voyons voir.
Quelqu'un pense à vous, en tout cas, ou c'est vous qui avez des pensées. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour qui, pourquoi? Ouhou, une invitation, quelque chose de nouveau là. Est-ce que une jeune fille blonde aussi pense peut-être à vous? Peut-être question d'une jeune fille. Est-ce que là on est sur un démarrage en chiffre 1 aujourd'hui? Ça peut être tout à fait possible. Quelque chose de. Une invitation par exemple? Vous pouvez avoir des nouvelles de votre maman ou recevoir une invitation justement de votre maman. Ou bien c'est vous qui êtes concerné directement si vous avez plus de 50 ans, que vous êtes veuf, célibataire ou divorcé. Et oui, on est sur quelque chose de beau là. Hein. Alors, un projet, une invitation, il y a une victoire, il y a une réussite, en tout cas sentimentalement. Il y a quelque chose qui tourne autour de ou votre maman ou pour vous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Waouh, c'est dans le foyer, c'est dans la maison. Quelque chose, une invitation, on fête quelque chose dans le foyer, dans la maison, dans la famille. Avec votre chéri, avec un homme qui peut avoir les cheveux bruns foncés, ça peut être votre mari, votre conjoint, votre concubin. Quelque chose de nouveau qui démarre. Alors, pour certains, vous allez fêter une grossesse aussi. Hein. Grossesse, naissance. Pour d'autres, là, il est question de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être un premier rendez-vous pour certaines personnes. Ça peut être une première invitation pour d'autres. En tout cas, y a du sentiment. Il y a quelque chose de beau, là, au niveau famille, maison. Un homme pense à vous. Avec un homme, on fait quelque chose. On va voir ça. Pour l'instant, c'est un beau tirage. Hein. Et ça continue. Cet homme, en tout cas, là, on est sur un homme qui pense à vous, qui est aimant, qui est doux, qui est tendre. Il est proche de votre foyer, proche de vous, si ce n'est pas votre chéri. C'est un homme proche de vous, ça peut être également votre papa. Vous pouvez très bien avoir des nouvelles de vos parents. Si vous ne les avez plus, vos parents vous protègent de là-haut. En tout cas, il y a quelque chose de beau familialement pour vous aujourd'hui. Peut-être même quelque chose de, pour un homme en tout cas, un nouveau départ. Attention, cet homme peut-être va se mettre en colère, ou en tout cas va être en colère. Est-ce qu'il va être en colère à cause d'un jeune homme de votre famille? Est-ce qu'il va être en colère à cause d'un jeune homme autour de vous? Et peut être en colère, ça peut être son fils, hein, tout simplement. Hein. Peut être en colère aussi après son fils. Hein. Ou en tout cas, en colère à cause d'un jeune homme, il y a une signature. Hein. Là, on voit un accord. Il y a une signature. De ce fait, il y a un changement. Cette signature permet un changement, permet un déménagement, permet un voyage. Il va falloir, en tout cas, on va regarder la dernière. Ah, j'aime pas la voir en dernier parce qu'en fait, là, on est sur du blocage. Il y a du retard, pardon, c'est pas du blocage, mais enfin pour moi c'est pareil. En fait, on voit qu'il y a un homme qui va peut-être être en pétard vis-à-vis de son fils, de son meilleur ami, d'une tierce personne, hein, qui concerne bien une réussite, une signature, un contrat, mais de ce fait, ça va apporter un changement, un déménagement. Il va falloir peut-être aussi qu'il se déplace, et c'est faire de la route, hein. Mais peut-être que ce déplacement, ce voyage, ce changement, il est pour l'instant retardé. Alors, qu'avons-nous? On a bien sentimentalement quelque chose qui est là, qui vous touche, qui ça peut concerner aussi une victoire. Pour moi, il y a une réussite là, dont vous êtes en attente ou que vous allez en entendre parler en tout cas.
Cette signature va permettre, devrait permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Cette signature peut concerner un enfant également. Cette signature peut concerner une grossesse. Voyez comment ça vous parle. On retrouve bien cet homme. Alors cet homme peut être votre conjoint, votre compagnon, votre papa. Comme je le disais tout à l'heure, si c'est votre papa, vous ne l'avez plus, vous protège de là-haut. Et il y a un jeune homme autour de vous, dans votre famille, un frère, un fils, ça peut être jusqu'à un meilleur ami. En tout cas, on est en présence d'un homme qui est pour moi de la maison, du foyer. En tout cas, est-ce lui qui est retardé? Il y a un certain retard au niveau familial. Nous sommes toujours dans l'invitation concernant votre maman ou vous, si vous êtes veuve célibataire, divorcée. Une femme, en tout cas, plus âgée, il y a quelque chose, là, une invitation, un démarrage, quelque chose de beau. Il y a un changement, alors, là, c'est intéressant, concernant un changement, un déménagement, un voyage, pour un homme, c'est clair, eh bien, il y a de la colère. Cet homme va être en colère concernant ce changement, ce déménagement, ce déplacement ou ce voyage. Voilà les amis ce que l'on peut voir pour demain. Alors, pour ce mardi 28 juin 2022, avec l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu ce que nous retrouvons pour notre journée. Ben, on est déjà bien sur le nouveau départ, l'enfant, grossesse ou bien pour cet enfant, un enfant ou qui concerne un enfant, quelque chose en tout cas de nouveau, voyage, je venais de le dire, déplacement, on prend de la hauteur, attention aussi à ce que vous ne soyez pas épié, voyez ce que je veux dire. Alors mardi 28, ça veut parler, il y a bien de la signature qui est là pour un nouveau départ, on est bien d'accord. On tourne en rond, on ressort la même chose. Alors, la coupe, cadeau, quelque chose qui va être perçu comme un cadeau ou on attend. Ah oui, est-ce qu'il va y avoir une signature, un contrat, quelque chose, malgré le retard qu'on a vu tout à l'heure, qui va être perçu comme un cadeau, les amis. On a, c'est joli, quelque chose qui va vous permettre de démarrer, de mettre en place les projets. Vous avez sans doute des projets qui peuvent concerner aussi l'argent pour certaines personnes. Alors, on peut dire, et ça prend fin. Ça va prendre fin, les amis. On va pouvoir signer, ça va être perçu comme un cadeau. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 6 et 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez ce que nous retrouvons. Nous retrouvons nos projets, les amis, avec... Ça va bien prendre fin, hein. Il y a quelque chose qui va prendre fin, qui vous avez vraiment mis en instabilité, car il y a du retard. Mais un retournement de situation qui vous avez un petit peu miné va vous permettre d'avoir une victoire. C'est pas beau ça? Très beau dos de deck, les amis. Alors, je vais enlever ça parce que j'ai l'impression que vous ne les voyez pas toutes. Voilà, c'est bon. Réunion, discussion, dialogue. Il va y avoir des réunions officielles. Vous voulez la tranquillité, hein? Ça va vous permettre peut-être, si on dit les choses, de retrouver une certaine tranquillité. En tout cas, vous la voulez, la tranquillité, vous. Hein? Concernant un enfant. Il y a des discussions autour d'un enfant, là, hein, pour avoir la paix. Concernant également... si ça n'est pas un enfant, un projet concernant quelque chose de nouveau en tout cas. Et regardez, il va y avoir un coup de chance. Nous retrouvons ce que l'on a vu tout à l'heure.
signature, les amis, compromis. Vous voyez clair, hein? Vous allez faire fonctionner vos intuitions là. Hein? Là, on est dans l'intuition. Il est question d'argent également. Alors, est-ce qu'on va pas signer, se mettre d'accord également sur, pour certaines personnes, ça peut être tout simplement se mettre d'accord sur une pension alimentaire. Pour d'autres, c'est dans le travail, hein, partenariat, associé. Waouh, regardez, on la ressort. C'est perçu comme un cadeau. Cette signature concernant l'argent va être perçue comme un cadeau, les amis. Pourtant, on va vous montrer du doigt. En tout cas, on va essayer de vous culpabiliser. On va essayer de comment je peux dire? Oui, de vous culpabiliser. Et pourquoi donc? Regardez, signature et compromis, contrat. Là, on est en plein dans les signatures. Vous allez pouvoir vous élever. Alors maintenant, ces signatures, ces contrats vont vous permettre peut-être... Ils viennent de l'étranger pour certaines personnes, comme la carte l'indique. Mais ça peut être aussi quelque chose où il a fallu se déplacer assez loin. On l'a vu tout à l'heure avec le 10 de carreau. Hein. Ça concerne peut-être une situation qui est plus loin que chez vous. Et on va vers une réussite là. C'est superbe, superbe, superbe. Ça vous avait pourtant mis en situation d'échec. C'est normal, de toute façon, on l'avait vu, on va recouvrir. Hein. Il y a de la grosse discussion, là, les amis, pour enfin retrouver la paix. Ça peut concerner un enfant ou bien en tout cas un projet, un nouveau projet. Il va y avoir beaucoup de chance, car on va se mettre d'accord sur quelque chose. Vous l'espériez vraiment grandement. Hein. Il peut y avoir aussi l'argent. La discussion d'argent au milieu de tout ça, ça va être perçu comme un cadeau. Malgré le fait qu'on a essayé de vous rendre responsable, vous signez, c'est acté. Quelque chose est acté. Qui peut concerner, où vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à tout ça. Ce n'est pas autour de vous, c'est où ça a été signé plus loin, il a fallu que vous preniez la route, autre ville, autre département, en tout cas, c'est quelque chose qui est en rapport avec, ça ne vous touche pas directement, vous voyez, enfin directement, je veux dire, ça n'est pas proche de votre foyer. En tout cas, ça vous permet d'avoir une belle évolution, on va pouvoir s'élever là, on va pouvoir, voilà, là on grandit, on avance, parce que vous étiez vraiment en sentiment d'échec. Alors, on va recouvrir ce sentiment d'échec, là. Mais pour moi, ce n'est pas bien méchant. C'est peut-être la situation, le fait qu'on essaie de vous culpabiliser, déjà, qui fait que ça vous avait un petit peu travaillé. C'est peut-être aussi tout simplement cette situation, tout ça, ce compromis, ce contrat, qui vous a peut-être fait peur. Alors, culpabilité et échec. C'est vous, indirectement, ma consultante. Hein. C'est vous qu'on essaye de culpabiliser. Et ça vous avait mis en sentiment d'échec. Mais regardez, ça prend fin. C'est terminé, ça prend fin. C'est un joli tirage. Nous allons voir ce que Monsieur Belline nous réserve, les amis. Monsieur Belline, pour notre journée du 28 juin 2022. 20. Oups. Alors, on a essayé de vous mettre au plus bas, bien entendu. Vous l'avez découvert, on vous découvre des choses hein, qui ont été dites, qui ont été faites, où on vous surveille. Hein. On essaye ben, de vous culpabiliser. Nous retrouvons typiquement les cartes hein, de tout à l'heure. Vous savez, des gens mauvais, il y en aura toujours. Alors, Monsieur Belline, pour notre journée du 28 juin. Monsieur Belline, pour notre journée du 28 juin. Eh ben, on se sent lié, attaché. Ah, ben attendez, il y en a d'autres. Sur quelque chose, oui, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous sentez un petit peu attaché, bloqué. Vous voudriez profiter et avoir la paix. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure dans notre jeu. Alors, Monsieur Belline,
À la coupe. Ben, il veut parler hein, aujourd'hui. Alors, à la coupe. Nous retrouvons notre changement. Et regardez, réussite. Nous allons sur une réussite pour le changement. Il y a de la méchanceté autour de vous, les amis. Bah tiens donc, dans votre travail, dans vos projets, dans ce que vous entreprenez, qui concerne l'argent. Bon. Vous avez l'intelligence de ne pas répondre. Hein. Ou bien vous avez l'intelligence, si vous avez appris des choses, passez outre. C'est pas bien, j'ai envie de dire, méchanceté là. C'est sur quelque chose qui éventuellement dans votre travail ne bouge pas. Alors, peut-être, attends, on va regarder là, ça prend fin. Est-ce que vous avez des gens méchants, pas bons autour de vous, vous avez l'intelligence, vous allez peut-être apprendre quelque chose, mais vous allez avoir une certaine, on va dire, retenue. Ça peut concerner dans votre activité pour certaines personnes, sur quelque chose qui ne bouge pas, qui ne bouge plus. Vous voulez la paix. Donc, en fait, vous restez dans votre coin. Vous avez bien raison. Concernant les finances également. Alors, est-ce que vous avez... Ça prend fin. Est-ce que vous avez demandé une augmentation? Est-ce que vous avez demandé d'avoir des heures payées? Est-ce que... Vous voyez un petit peu comment ça résonne. En tout cas, vous avez l'intelligence de ne pas bouger, de rester tranquille par rapport à ces gens qui ne sont pas bons. Et vous avez bien raison. Ça peut être dans le domaine travail. Ça peut être, si vous êtes à votre compte, au niveau aussi, attention, j'ai envie de dire... associé, par exemple, hein. Il y a quelque chose qui ne bouge plus, là, les finances sont peut-être bloquées ou étaient bloquées. Vous voulez retrouver, vous allez retrouver la paix, justement, concernant vos finances, parce qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Et qu'est-ce qui va prendre fin? Je suis curieuse. Ça va, ça avance, vous voyez, là, il y a quelque chose qui s'éloigne, en fait, tout simplement. Voilà, les amis. Alors, ça peut être qu'est-ce qui prend fin. On se retrouve qu'il y a un prêt qui s'arrête, par exemple. Un remboursement qui a été fait. Voilà. Et au niveau financier, on se sent mieux. Voilà, les amis. Notre petite carte pour cultiver l'estime de soi. J'arrête de me coller des étiquettes. C'est une habitude qui nous vient de l'enfance, lorsque nos parents nous disaient « Tu es menteur ou tu es coléreux ». À force, nous avons fini par y croire. C'est faux. Ces défauts ne sont pas irréversibles. Ce ne sont pas les traits de notre visage. Nous pouvons changer, nous transformer. J'arrête de me coller des étiquettes. Très joli message. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parle, vous parlera ou vous aidera. Merci pour votre présence, pour votre soutien. Merci de partager, de mettre un pouce j'aime. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.